بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله وصفيه وحبيبه صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة الأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On va aborder ce soir le sujet de la miséricorde de notre prophète, la miséricorde de l'islam. Allah dit dans le Coran: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Et nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour les mondes. Et l'essentiel du message de l'islam, l'essentiel des enseignements de l'islam se résume en deux choses. La première, c'est تَعْظِيمُ أَمْرِ اللَّهِ, c'est-à-dire donner à l'ordre divin toute la considération qu'il mérite et magnifier le Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Et la deuxième chose, c'est الشفقاتu على خلق الله, rahma, la miséricorde, bien الشفقة, le fait d'avoir de la compassion pour la créature. L'islam est entièrement compris dans ces deux choses, essentiellement. Cela résume bien l'islam. Et c'est effectivement ce que nous a dit le cheikh Abdel Qadir El-Jilani quand il a voulu montrer que l'essentiel de l'islam est là. Vous avez un passage du Coran qui nous le rappelle lorsqu'il parle des réprouvés. إِنَّهُ كَنَ لَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَلَا يَحُدُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. Il ne croyait pas en Dieu le très immense, el-azim, et il n'incitait pas à nourrir le pauvre. Également, un autre passage qui parle des réprouvés lorsqu'ils seront interrogés en enfer. Qu'est-ce qui vous a conduit en enfer? قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ, c'est-à-dire, nous n'étions pas de ceux qui accomplissaient la prière et nous ne nourrissions pas le pauvre. Les deux choses. Et vous avez également la règle que l'on connaît bien, wa aqimu salat wa atu zakat, accomplissez la prière et donnez la zakat, l'aumône légale. Donc on voit bien que vraiment, quand il nous dit cela, il résume en quelques mots l'essentiel de l'islam. Et donc nous devons, nous, les uns les autres, nous situer par rapport à cela, comprendre le sens de l'islam et vivre selon les principes de l'islam. Cet islam qui est une religion de miséricorde. Et bien entendu, il y a dans l'ordre de la miséricorde des priorités. D'abord les pères et mères, les proches, le pauvre, l'orphelin. Et ainsi on va de cercle en cercle. Et cela entre dans le pacte qu'il y a entre nous et notre Créateur. La preuve en est le passage du Coran qui nous dit: وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ أَحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ, c'est-à-dire, et lorsque nous avons pris l'engagement des fils d'Israël, vous n'adorerez que Dieu et manifesterez de la bienfaisance envers les pères et mères, les proches parents, les orphelins et les pauvres, et dites aux gens de bonnes paroles, et accomplissez la prière, et acquittez-vous de l'aumône légale. Donc vous avez la prière, l'aumône légale, qui sont des choses essentielles, et avant cela est évoqué le fait de n'adorer que Dieu, puis ensuite vous avez la bienfaisance vis-à-vis des pères et mères, des proches, et le fait qu'il ne faut pas rompre le lien de parenté. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde et il nous a dit qu'il soit humilié, qui donc au messager de Dieu, et lui de répondre: celui qui voit ses parents qui ont atteint
l'âge, sont devenus vieux et ils sont vivants à ses côtés et ils n'entrent pas au paradis, que ce soit les deux parents ou l'un des deux, et ils n'entrent pas au paradis, qu'ils soient humiliés. Pourquoi? Parce que le père, la mère, eh bien c'est une porte d'entre les portes du paradis pour chacun d'entre nous. Et quand on a la chance, par la grâce de Dieu, d'avoir l'un ou l'autre auprès de nous, il faut avoir l'intelligence de s'occuper d'eux, parce que après la prière, c'est l'acte le meilleur que l'on puisse accomplir, c'est d'être bon vis-à-vis de sa mère, puis vis-à-vis de son père, et également vis-à-vis ensuite des proches. Et cette question-là, bien entendu, elle mériterait d'être abordée, la bienfaisance vis-à-vis des pères et mères pour elle. Donc on pourrait faire un exposé sur ce thème en profondeur. Mais la miséricorde, elle s'exprime aussi au niveau du couple dans la religion islamique, au niveau du couple dans la relation entre les époux, et l'islam nous montre qu'il faut savoir respecter le conjoint. « Wa'ashiruhunna bil-ma'ruf » dit le Coran, et comportez-vous convenablement envers elles, envers les femmes. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam affirmait: le plus parfait des croyants est celui qui a le meilleur caractère. Les meilleurs d'entre vous sont ceux qui sont les meilleurs pour leurs épouses. Les meilleurs d'entre vous sont ceux qui sont les meilleurs pour leurs épouses. Rapporté par At-Tirmidhi, le hadith est authentique. Et là aussi, il n'est pas question de parler du couple en islam en profondeur, mais simplement d'évoquer cet aspect-là des choses, qui nous montre que l'islam tient compte des sentiments humains également. Par exemple, le sentiment amoureux est quelque chose qui fait partie de la création. Dieu a voulu que l'être humain éprouve ce sentiment. Il n'y a rien de mauvais dans ce sentiment. Lorsqu'il est interrogé, quel est l'être que tu aimes le plus au messager de Dieu? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, répond à Aïcha. Aïcha, son épouse. Et qui ensuite, Abouha, son père, Abaha, c'est-à-dire son père. Et cela vous montre que ce sentiment amoureux, il fait partie de l'ordre des choses. Mais quand quelqu'un l'éprouve, il doit l'orienter, le canaliser selon la sharia. Soit cela se traduit par le mariage, soit il faut renoncer, alors il s'agit d'être sage. Et vous avez un hadith qui nous dit, pour deux êtres qui s'aiment, on n'a jamais vu chose qui soit comparable au mariage. Vous avez également le verset coranique qui vous montre quelle est la nature des liens dans le couple, qui repose là aussi sur l'amour, la tendresse et la miséricorde. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Parmi ces signes est qu'il a créé à partir de vous-même, pour vous, des épouses, pour que vous trouviez auprès d'elle le calme et le gîte, et qu'il a établi entre vous des liens de tendresse et de miséricorde. Il y a en cela des signes certains pour des gens qui méditent. Également, dans le verset que nous avons cité, il est question d'être bon envers les pères, mais également vers les proches, et également vers les orphelins et les pauvres. Et notre prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, et cela est rapporté dans le Sahih de Al-Bukhari, sous l'intitulé « Du mérite qu'il y a à entretenir un orphelin ». D'après Sahel ibn Sa'd, le messager de Dieu a dit, sallallahu alayhi wa sallam, « Moi et celui qui aura parrainé un enfant, nous serons comme ceci au paradis. » Et ajoute Sahel, il montra ses deux doigts, l'index et le majeur, pour dire que celui qui aura parrainé un enfant, eh bien, il sera voisin et proche du prophète au paradis, sallallahu alayhi wa sallam. L'un des maux les plus considérables qui puissent toucher l'être humain, c'est la dureté du cœur. Et nous qui vivons dans des climats très souvent qui sont écartés du monde de l'islam, des principes de l'islam, des valeurs de l'islam, on peut observer parfois que le cœur tend à s'endurcir. Et c'est grave, parce que le cœur qui est dur, ça veut dire qu'il est malade. Ça veut dire qu'il n'y a pas la shafaqa, la rahma. C'est une maladie qui est grave, le fait d'avoir le cœur dur.
إن أبعد الناس من الله القلب القاسي. Ceux qui sont parmi les hommes les plus éloignés de Dieu, ce sont ceux qui ont le cœur dur. Il est arrivé un jour qu'un homme est allé vers le messager de Dieu et s'est plaint de la dureté de son cœur. Que lui a répondu le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam? Il lui a dit, passe ta main sur la tête de l'orphelin et nourris le pauvre. Rapporté par Ahmad. Et le prophète lui dit également, sallallahu alayhi wa sallam, dans une version, aimerais-tu voir ton cœur s'adoucir et obtenir ce dont tu as besoin? Fais miséricorde à l'orphelin, passe ta main sur sa tête et donne-lui de ta nourriture, ton cœur s'adoucira et tu obtiendras ce dont tu as besoin. Hadith rapporté par At-Tabarani. Donc l'islam c'est une religion qui nous invite au partage, au don, à sadaqat. Et le Coran nous dit « Yamhaqullahu riba wa yurbi as-sadaqat » Dieu anéantit l'intérêt usuraire et fait fructifier les aumônes. Il y a deux conceptions de la société humaine. Celle où l'homme devient un loup pour l'homme. Pour le pauvre, il lui prête, mais avec intérêt, il lui demande plus. Et l'autre s'enfonce dans la pauvreté et le riche devient plus riche. Dans les sociétés modernes qui reposent sur le système usuraire, on a ce principe, chacun pour soi. Et c'est, même dans certaines régions aujourd'hui, on condamne le fait de donner aux mendiants. Il est interdit de donner quelque chose aux mendiants, etc. Et cela peut aussi nous contaminer, nous, musulmans. Parce que lorsque l'on voit celui qui est dans le besoin nous tendre la main, certains ont une attitude méprisante et de rejet qui est contraire absolument à l'islam. Lorsque quelqu'un vient à toi et te tend la main, il faut lui donner. Il faut le réconforter, il faut le soutenir, il faut le secourir, il faut l'aider, c'est une obligation, ça fait partie des principes de l'islam. Si tu t'écartes de celui qui est venu à toi, eh bien ça veut dire que tu n'as pas compris ta propre foi, tu n'as pas compris ta propre religion. L'homme stupide quand il voit le pauvre et la main du pauvre qui se tend, il voit la main du pauvre. Mais l'homme intelligent quand il voit le pauvre, et la main du pauvre qui se tend, il voit la main de Dieu. Parce que qui est-ce qui envoie cet homme pour te mettre à l'épreuve dans ton destin? C'est Allah. Et il regarde ce que tu vas faire. Et toi, tu es plus pauvre vis-à-vis d'Allah, de Dieu, que ce pauvre n'est pauvre par rapport à ce que tu possèdes. Parce que, et lui et toi, vous êtes pauvres. L'homme est essentiellement pauvre. Même lorsqu'il est riche, ce bien, il va le laisser à d'autres. Son bien, il va le laisser à d'autres. Le bien qu'il possède, il ne possède rien. L'homme est par essence pauvre. Donc ça, c'est une réalité que l'islam nous enseigne et il faut en avoir conscience. D'ailleurs, cette miséricorde, elle est aussi enseignée dans les sources de l'islam par rapport à celui qui est malade. Al-Bukhari rapporte le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui dit « Visitez le malade, nourrissez l'affamé et rendez la liberté aux prisonniers. » Et également, le messager de Dieu nous a dit dans un merveilleux hadith, « Dieu exalté soit-il, dira au jour de la résurrection, « Ô fils d'Adam, j'étais malade et tu ne m'as pas visité. » L'homme répondra, « Mon Seigneur, comment aurais-je pu te visiter alors que tu es le maître des mondes ?» Ne savais-tu pas que mon serviteur un tel était malade et pourtant tu ne l'as pas visité? Si tu l'avais visité, tu m'aurais trouvé auprès de lui. Donc le malade qui sent, par du fait de sa maladie, sa dépendance, qui est dans un état d'humilité, quand quelqu'un est arrogant et fier de sa force et de sa santé, il est terrassé par la maladie, Dieu le rappelle à l'ordre. Et dans cette attitude qui nous conduit à l'humilité, il y a un bien. C'est pour cela que Dieu est aux côtés des pauvres. Parce que celui qui est pauvre et qui est dans une relation avec Dieu où il demande, où il sait ce qu'il est en réalité, il est plus proche de par son humilité de Dieu. C'est pour cela aussi que quelqu'un qui a commis un grand péché, alors qu'il est croyant et qu'il se repent et qu'il revient à Dieu, du fait de ce péché, eh bien, quand il demande pardon à Dieu, Dieu lui pardonne
et il se rapproche de Dieu. Il est plus proche, cet homme de Dieu, que celui qui suit la voie droite en apparence, mais dont le cœur est plein de vanité, de contentement, de satisfaction. Et il n'y a rien qui éloigne plus l'être humain que le fait d'être satisfait de son ego, qui éloigne l'être humain de Dieu. C'est pour ça que le pauvre, c'est pour ça que le pécheur peut être plus près de Dieu. Et c'est pour ça qu'il faut être attentif à ce point. Donc ici, vous avez un malade. Comment aurais-je pu te rendre visite ? Un tel était malade, tu ne lui as pas rendu visite. Ensuite, vous avez également une autre parole qui vous dit « Ô fils d'Adam, je t'ai demandé, le hadith se poursuit, je t'ai demandé de me nourrir et tu ne l'as pas fait. Mon Seigneur, comment aurais-je pu te nourrir alors que tu es le maître des mondes ? Ne savais-tu pas que mon serviteur, un tel, t'a demandé de le nourrir et tu ne l'as pas fait ? Ne savais-tu pas que si tu l'avais nourri, tu aurais trouvé cela auprès de moi ? Ô fils d'Adam, je t'ai demandé à boire et tu ne m'as pas désaltéré. Comment aurais-je pu te donner à boire alors que tu es le maître des mondes ? Mon serviteur, un tel, t'a demandé à boire et tu ne l'as pas abreuvé. Ne savais-tu pas que si tu l'avais abreuvé, tu aurais trouvé cela auprès de moi ? Hadith rapporté par Muslim, un hadith authentique. Vous avez également la bienfaisance et la miséricorde par rapport aux voisins. Dans un hadith, dans un verset du Coran qui parle également de la bonté envers les pères et mères, les proches parents, les orphelins, les pauvres, eh bien, il est ajouté وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَ وَالْجَارِ الْجُنُوبَ, le proche voisin et le voisin lointain. Il faut aussi être bienfaisant vis-à-vis de cette catégorie de personnes. Et le messager de Dieu nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, مَزَالَ جِبْرِيلْ يُوَصِّينِ بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُ, c'est-à-dire, l'ange Gabriel n'a cessé de me recommander d'être bienfaisant envers le voisin, à tel point que j'ai pensé qu'il en ferait un héritier, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc le voisin, à tel point que j'ai pensé qu'il en ferait un héritier, c'est-à-dire un proche. Qui hérite de qui ? Ton proche. Donc c'est celui avec qui tu as un lien de sang. Avec ton voisin, tu n'as pas nécessairement de lien de sang. Et pourtant, le lien qui t'unit à lui, il est sacré, dans le sens que tu dois être bienfaisant vis-à-vis de lui. Par Dieu, il n'est pas croyant. Par Dieu, il n'est pas croyant. Par Dieu, il n'est pas croyant. On demanda, qui donc au messager de Dieu ? Celui, répondit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dont le voisin n'est pas à l'abri de ses méfaits. Al-Bukhari et Muslim. Donc il faut être bon vis-à-vis du voisin. Dans le verset, il est question aussi de Ibn Sabil. Ibn Sabil, littéralement, c'est le fils de la route. Ça désigne celui, le voyageur qui est pauvre ou démuni, qui se retrouve en voyage dans l'incapacité de poursuivre, de revenir chez lui ou simplement de survivre. Et il faut lui offrir l'hospitalité, il faut le recevoir. On voit parfois des gens qui sont sans papier, des clandestins qui débarquent, qui viennent. Et dans les mosquées, les lieux de culte, on a des attitudes qui sont complètement déplacées. Là aussi, cet homme, quelle que soit sa situation, il a besoin de toi. Il faut trouver une solution, il ne faut pas lui dire, sors d'ici, la mosquée, il faut la fermer. C'est vrai qu'on doit respecter les lieux de culte, c'est vrai qu'on peut aussi s'imposer une règle de ne pas de fermer la mosquée parce qu'on serait dans certains endroits envahi par beaucoup de gens qui sont démunis, qui sont des sans-logis. Mais il faut trouver des solutions, il faut essayer d'aider la personne d'une façon ou d'une autre sur un plan social, dans d'autres lieux et ainsi de suite. Il ne faut pas rejeter celui qui vient à nous dans ces conditions. Tout cela fait partie des commandements de l'islam. Et cette miséricorde, comme vous le savez, elle s'étend également aux animaux. Et là, j'aimerais citer deux ou trois hadiths simplement. Une femme, nous dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a été tourmentée en enfer à cause d'une chatte qu'elle avait enfermée jusqu'à ce qu'elle périsse. À cause de l'animal, elle entra en enfer. Elle ne l'avait ni nourrie ni abreuvée alors qu'elle l'avait enfermée. Elle ne l'avait pas laissé manger les insectes ou les bêtes de la terre. Al-Bukhari, Muslim. Un autre hadith nous dit, selon Ibn Omar, radiallahu anhuma, le prophète s'exclama, sallallahu alayhi wa sallam, ou bien Ibn Omar dit,
Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a maudit celui qui se sert comme cible de tout être vivant. Al-Bukhari est muslim. Il avait vu des jours, un jour, des enfants qui avaient attaché un oiseau vivant pour le prendre, prenant pour cible, et il a dit cela. Donc c'est une chose qui montre qu'il faut respecter les animaux. Al-Bukhari est muslim. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, vit une fois un âne marqué sur le visage. Il désapprouva la chose et déclara que Dieu maudisse celui qui l'a marqué. Il ordonna que l'âne fût marqué sur sa croupe, c'est-à-dire la partie la plus éloignée du visage, rapporté par Muslim. Et le respect. La dignité d'un être humain, elle est dans son visage. C'est pour ça qu'on ne frappe pas le visage. Et même pour l'animal, elle est aussi dans le visage. Quand un animal est marqué comme appartenant du fait qu'il est dans un troupeau à telle personne, eh bien c'est dans la partie arrière et non pas sur le visage qu'il faut le marquer. Et donc, ce hadith est rapporté par Muslim. Donc, il y a aussi d'autres hadiths, dont ce dernier qui nous dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Un chien demi-mort de soif tournait autour d'un puits lorsqu'il fut remarqué par une prostituée juive qui enleva sa chaussure et s'en servit pour lui donner à boire. Ce geste lui valut d'être pardonné. » Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Cette prostituée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle voit un chien qui a soif. Alors elle descend dans le puits, elle prend de l'eau, et puis elle remonte, elle donne à boire à ce chien, et ainsi Dieu lui a pardonné, elle est entrée au paradis, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc on voit, mes frères et sœurs en islam, à quel point nous devons retenir que l'acte, l'action qui est menée, eh bien on ne peut pas porter de jugement définitif, c'est Dieu qui décide de sa miséricorde, ce n'est pas à nous de fermer les portes de la miséricorde. Toute personne qui désire se repentir, eh bien en islam, nous lui disons la porte du repentir, elle t'est ouverte. La porte du repentir, si tu étais un incroyant, un négateur, quelqu'un qui rejetait cette vérité divine, le monothéisme, et qui a vécu dans l'obscurité, les ténèbres de cet égarement, et que tu entrevois ce rayon du tawhid de la foi, sors des ténèbres de l'incroyance vers la lumière de la foi. Repens-toi, et c'est possible, Dieu ouvre les portes de sa miséricorde. Celui qui commettait un grand péché, comme le fait de s'en prendre à ses parents en leur montrant une attitude peu respectueuse, eh bien il peut délaisser la chose et revenir, se repentir, aller dans le sens de l'obéissance. Même chose pour les petits péchés. Et ainsi pour chacun d'entre nous, quel que soit le degré, nous sommes tous sur la voie de Et-Tawba. Tabayatoubou, ça veut dire revenir vers. Et imaginez quelqu'un qui monte sur une échelle. Et en bas, il y a les ténèbres, l'obscurité. Et les ténèbres, c'est au pluriel, les ténèbres sont légions. Le diable est légion, le mal est légion. Mais la lumière est une. Il monte sur cette échelle vers la lumière. Chaque fois qu'il grimpe d'un échelon, cette échelle, eh bien, il laisse derrière lui des ténèbres pour aller vers plus de lumière. Et chacun d'entre nous occupe cette échelle à un certain niveau. Et le dernier niveau, le niveau le plus élevé tout en haut, consiste à s'écarter de tout ce qui n'est pas Dieu pour aller vers Dieu. Au niveau du cœur, c'est-à-dire à aimer Dieu de tout son cœur plus que toute autre chose. Et ça, c'est un questionnement qu'on devrait avoir les uns les autres. Le repentir, c'est cela dans son sens le plus noble. Tout ce qui n'est pas Dieu, qui appartient à la création, nous écarte de notre Créateur, peut devenir un obstacle s'il prend dans nos cœurs une place qui nous alourdit, nous appesantit, nous rattache à ce qui est matériel. Mais quand le cœur se tourne vers Allah, a le désir d'aller vers Allah, a le désir de l'au-delà, eh bien il se débarrasse de ses chaînes. Et alors, il va vers cette lumière-là. C'est cela le chemin. Donc le repentir, il touche même celui qui est tout là-haut, dans cette disposition à aller vers la lumière et à s'écarter du monde. وَيَتُوبُ عَلَى مَنْ تَابَ. Et Dieu accorde son pardon, le repentir à celui qui se repent. Enfin, pour terminer, je pense qu'on pourrait se poser aussi la question de savoir, est-ce que cette bienfaisance touche uniquement les musulmans ou touche les autres? Et là, j'aimerais simplement vous lire la lettre que j'ai reçue de Denise. Denise est une chrétienne,
Parfois, elle nous envoie des messages. J'ai un blog sur la tribune, dans la tribune de Genève. Ce blog, si vous voulez avoir accès, allez y voir. Eh bien, c'est cige.org. Cige.org. Il y a le blog. Et là, elle m'avait écrit cette lettre où elle cite d'abord les psaumes, un passage de la Bible qui nous dit « Célébrez le Seigneur, bénissez son nom, car le Seigneur est bon, sa fidélité est pour toujours et sa loyauté s'étend d'âge en âge. » Psaume 104:5. Très beau passage de la Bible. « Mais je suis perplexe en lisant, dit-elle, vous qui croyez ne prenez pas de juifs et de chrétiens pour amis. Ils sont amis entre eux. Qui les prend pour amis sera des leurs, mais Dieu ne conduit pas le peuple coupable. » Alors, elle pose la question, quel est le sens de ce verset? Ne prenez pas des juifs et de chrétiens, de juifs et de chrétiens pour amis. Alors, la réponse, c'est d'abord de lui dire, et je lui ai répondu, c'est que le verset qui est cité, eh bien, sa traduction n'est pas correcte. Que dit le verset? Il nous dit, يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. Ô vous qui avez cru, ne prenez pas pour alliés les juifs et les chrétiens, alliés, ils sont alliés les uns des autres. Le mot aulia ne veut pas dire ami, il veut dire allié. La preuve en est qu'il y a un autre passage dans le Coran qui nous dit, يا أيها الذين آمنوا, ô vous qui avez cru, لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. Ça veut dire, ô vous qui avez cru, ne prenez pas pour alliés, أولياء, vos pères et vos frères s'ils préfèrent la mécréance à la foi. Donc s'ils se détachent de la vérité et s'ils vous combattent par rapport à votre foi, il ne faut pas rester alliés. Et il faut replacer cela dans le contexte. Or, ces versets, mes frères et sœurs en islam, ils sont d'une actualité étonnante aujourd'hui. Parce que il ne peut pas être question d'établir des alliances avec des nations qui nous agressent sans droit. Par exemple, aujourd'hui, le régime sioniste, il agresse la Palestine, il agresse Gaza, et il continue à voler des territoires à Jérusalem-Est, à voler des terres, aller contre le droit international. Il ne respecte aucune convention. Ce régime sioniste, donc ceux qui interprètent le judaïsme dans un sens politique dévoyé, mais qui sont dans cet axe-là, qui sont aidés par les chrétiens sionistes également, qui agissent dans ce sens, eh bien il ne peut pas être question de les prendre pour alliés. Ce sont des ennemis, on ne peut pas négocier avec quelqu'un sur un territoire à partager dans le moment même où il vous vole votre territoire. Il faut qu'il arrête, il faut qu'il revienne à une mesure respectueuse des conventions de Genève, du droit international. Or il continue et personne ne l'arrête et personne n'est capable de l'arrêter. Bien plus, l'hostilité du sionisme contre l'islam, on peut la relever lorsqu'on lit par exemple cet extrait tiré de la revue Kivunim, Orientation, publiée par l'Organisation sioniste mondiale à Jérusalem au mois de février 1982. Je vous cite cet extrait. L'éclatement de la Syrie et de l'Irak en régions déterminées sur la base de critères ethniques ou religieux doit être à long terme un but prioritaire pour Israël, la première étape étant la destruction de la puissance militaire de ces États. Riche en pétrole et en proie à des luttes intestines, l'Irak est dans la ligne de mire israélienne. Sa dissolution serait pour nous plus importante que celle de la Syrie, car c'est lui qui représente à court terme la plus sérieuse menace pour Israël. En 82, déjà, ce congrès sioniste avait décidé de s'en prendre d'abord à l'Irak, pour détruire le pays sur la base de critères ethniques ou religieux, puis de s'en prendre à la Syrie. Il y a en Syrie, à l'heure actuelle, une révolution qui est menée contre un dictateur. En principe, la communauté internationale devrait se lier au peuple pour renverser le dictateur. Elle devrait imposer un embargo aérien pour faire en sorte que des populations civiles soient protégées. Rien.
pas un seul mouvement. On observe le peuple musulman de Syrie se faire massacrer de cette façon-là. Et ce sont des alliances qui se prennent au niveau de l'ONU, une organisation qui a montré qu'elle est complice avec le veto qu'on impose de telle façon qu'on ne puisse rien faire sur le terrain. Ce sont des complices contre les intérêts du peuple, contre les intérêts de l'humanité, les valeurs humaines. Voilà des alliances. Avec ça, on ne peut pas faire alliance. Lorsque l'on voit clairement ce qui se trame contre les musulmans, on ne peut pas. Ça sert à rien de faire alliance. Il faut résister. Il faut combattre. C'est un droit qui est légitime. Et c'est ce que nous dit le verset. Donc je lui ai donné ces exemples pour lui dire, voyez bien, que le verset est d'une actualité étonnante. Et puis vous avez un autre verset qui vous dit, un autre passage dans le Coran qui vous dit, « La yanhaakumullahu anilladhina lam yuqatilukum fiddin » ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. Ce qui signifie, Dieu ne vous défend pas d'être bon et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion et ne vous ont pas chassé de vos demeures. Dieu aime les équitables. Dieu vous défend seulement de prendre pour alliés ceux, donc pour alliés, vous voyez, c'est de nouveau la même terminologie, ceux qui vous ont combattu dans la religion, chassé de vos demeures et ont aidé à votre expulsion. Et ceux qui les prennent pour alliés sont les injustes. Donc ce passage-là, il est très très intéressant parce qu'est-ce qu'il nous dit? Avec les non-musulmans, lorsqu'ils nous respectent, lorsqu'ils ne nous combattent pas au niveau de la religion, et ils ne nous persécutent pas parce que nous sommes musulmans, lorsqu'ils ne cherchent pas à nous expulser de nos demeures, quelle doit être notre relation? Que vous soyez vis-à-vis d'eux, charitable, bienfaisant. Tabarruhum, le terme a pour racine el birr, et on dit birrul walidain. Vous voyez, j'ai commencé après le tawhid par birrul walidain, la bienfaisance vis-à-vis des pères et mères, c'est-à-dire le plus haut degré de la charité, le plus haut degré de la bienfaisance, le plus haut degré de cette bonté essentielle. Voilà la vertu, la qualité dont doit se parer le musulman par rapport au non-musulman. Et puis et que vous soyez équitable vis-à-vis d'eux, ça veut dire que en aucun cas la différence de religion ne pourrait être le prétexte de discrimination au niveau de la justice, parce que la justice doit s'appliquer à tous pareillement, quelles que soient nos différentes religions. Donc voyez mes frères et sœurs en islam, j'ai voulu évoquer certains aspects de notre foi, qui est une religion de miséricorde. Nous devons les uns les autres prendre conscience de la richesse comprise dans ces versets, de la richesse des enseignements de l'islam. Et nous devons les comprendre et nous devons les transmettre. Ici, je suis dans une mosquée et je vois des musulmans et des musulmanes avec nous. Alhamdulillah. Mais cela, ce sont des enseignements qu'il faut savoir transmettre aux non-musulmans également, pour leur faire comprendre que l'islam c'est une richesse, l'islam c'est une religion d'amour, de miséricorde, l'islam est éclatant dans sa vérité au niveau de la relation que l'homme a avec Dieu et de la relation qu'il a avec les créatures. L'essentiel de la vie en islam c'est l'amour de Dieu et l'amour en Dieu. Voilà le message de l'islam. Wallahu a'la وأعلم وجزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Je vous propose maintenant de prendre, on va dire peut-être une dizaine de questions.